Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Comment? Bonjour. On est là pourquoi aujourd'hui? On a peur. Aujourd'hui on va défoncer les mecs au jerky ball. On va leur pulvériser, ouais. C'est bon, on va les pulvériser. Qu'est-ce que c'est le jerky ball? Qu'est-ce allez, que c'est? Teddy, explique-nous, moi c'est Arnaud toujours. Le jerky ball c'est un sport un peu mélange foot, un peu foot de rue dans une cage. Dans une cage, foot de rue, oh là là. Mais en fait c'est du foot en 2v2 et vous allez voir. En fait vous allez comprendre tout de suite, il y a plein de règles qu'on ne connaît pas. Nous on n'a pas compris. On n'a pas compris les règles. En gros c'est du 2v2. Ouais c'est du 2 contre 2 dans une... C'est un peu proche, mais excuse-moi. Parce qu'on débute là, il y a la caméra, on débute. Eh on te gêne. J'adore, là je pars tout seul. Je débute. Hop. Si c'est pas bien cadré c'est qu'on débute. Et ça va être lui le cadreur donc c'est lui qu'il faut insulter. Il est malade du coup il va pas jouer. C'est pas malade, c'est blessé. Teddy, est-ce que tu vas leur niquer leur race? Évidemment, mais attends parce que... If I speak, mais je suis un peu noir dessus quand même. Attends, je me mets un peu plus en l'air comme ça c'est mieux. Et en vrai ça marche vraiment. Ouais on va leur baiser, on va les démolir. Non. Vas-y let's go. On apprend les mecs qui vont jouer la Coupe du Monde. Ouais. Du coup, c'est des gens qui vont faire la Coupe du Monde, donc ils vont nous niquer. Voilà. Dans la gueule. Mais mets l'écran comme ça, on voit. Je vais me faire des autofocus parce que j'ai pas envie de parler avec eux. Ah, donc ça va quoi. Salut, je suis Teddy. Okay, bonjour, j'ai des champions, les gars. T'es avec des champions ce soir. Alors, il y a beaucoup de trophées, on va peut-être pas aller là. Parce qu'en fait, là, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'on va faire de la mise en avant de certains sports. Ligue des Champions. Non, il y a une Ligue des Champions. Hein? Vainqueur Ligue des Champions 2006-2007. Oh la base. Ouais, j'étais là. C'était en 2007-2008. En fait, j'étais avec Teddy. Ok. Alors, le jerky ball, je vais vous faire ça en version courte. C'est-à-dire que les règles, elles sont un peu complexes. Elles sont très nombreuses. Et après, il y a ce qu'on appelle les règles de base pour pouvoir maîtriser l'espace de jeu et vous sentir utile long terme. Alors, le jerky, c'est 2 contre 2. 2 contre 2. Il n'y a pas de gardien. Un défenseur, un attaquant. On touche pas le ballon à la main, c'est formellement interdit au jerky. Quand vous êtes défenseur, vous êtes devant votre cage, vous avez le droit de jouer sur toute la surface de jeu jusqu'à cette ligne-là, la ligne médiane. Quand vous êtes attaquant, vous partez de votre cage, vous avez le droit de rentrer dans la zone adverse. Et la limite, votre frontière, c'est cette ligne blanche ici. Ce qui veut donc dire que si je suis attaquant et que je veux marquer dans cette cage, quand le ballon il est dans la bande rouge ici, j'ai pas le droit d'y toucher. L'attaquant reste bien sagement à l'extérieur et t'as pas le droit de passer le pied au-dessus de la ligne ni de pencher la tête. Les lignes forment des murs. Je vais vous demander tous les deux, si ça vous dérange pas, d'aller vous mettre devant la cage là-bas. Là-bas, devant la cage, avec lui. Voilà. Les bandes rouges dans lesquelles vous êtes, nous sommes, c'est comme ça qu'on engage au jerky. On pose le ballon sur la ligne et c'est le défenseur qui engage par une frappe. Donc évidemment, ça te demande de te mettre devant la lucarne et n'oubliez pas que vous êtes des mecs. C'est super important. Okay. En général, quand nous on engage, mon attaquant il est prêt à partir en jeu, il doit attendre ma frappe pour que tout le monde sorte de la zone. L'équipe qui marque le but récupère la balle et c'est lui qui est engagé. La première équipe qui a atteint 7 buts a gagné le premier set. Et on joue après en 3-7 gagnants comme au tennis. Donc juste pour vous donner une idée, un joueur sur un temps de 45 minutes, il frappe une moyenne de 135 balles. Oh, c'est du non-stop les gars, ok? C'est fou, c'est que j'en frappé 3 en 45 minutes. Il vous paraît peut-être petit le terrain, mais vous allez vous rendre compte que l'oxygène va manquer très vite parce que dès le début, le cardio il part, vous n'avez pas le temps de chauffer. C'est bien, j'ai du cardio en plus. On va tomber. Par contact, vous n'avez pas le droit de poser un genou ou une main à terre. Et si vous n'avez pas le droit de griffure aux morts sourds et aux armes blanches. C'est sans contact. Bon, moi je range ma chambre. Les gars. Messieurs! Et n'oubliez pas que vous êtes des hommes! Ouais, alors pas tous, pas tous. Teddy, tu sens pas du zéro. Ouais. Now go! Il l'a touché à la main. On demande la barre, Théo, on demande la barre, mais je pense que c'est mort. Ah, c'est mort, ouais. Ah, alors
J'ai mis le but de la France et tout ce qu'il faudra retenir. Ressenti. Vu mon mec là. Alors, ressenti. Musique comme sport. Bon les gars, vous avez pu le voir, le football de... ils sont déjà pris un but. Hein. Vous n'avez rien vu, ils n'ont déjà pris un but. Mais ouais, c'est physique comme sport. C'est vachement cool. T'es dit, recule. Mais attention, est-ce qu'ils vont prendre un deuxième? Ils ont failli s'en prendre un deuxième, je vais vous les filmer tout de suite. Là on va voir. Oh là. Ça va Thomas? Attends, j'essaie de comprendre les règles. Théo! Coucou. Oui, j'ai failli m'en prendre une pleine face. Les pouilles. Essaye de tirer contre les murs. Ma chaussure est trouée. Merci les amis. Merci les amis. Une petite réaction à chaud, monsieur Alexandre. Écoutez, il y a eu du talent, on a eu beaucoup de mal à marquer 7-2, mais ça va, on s'en est bien sorti. C'est pas simple, mais c'est bien de bien. Une réaction. C'est pas grave, on laisse les... Ils sont dans le cœur de la jeunesse, dans 5-6 ans, ils sont plus là. Et un joueur sur un temps de 45 minutes, il frappe une moyenne de 135 balles. Alors, ça y est, on dernier match. 7-0. Ouais, je pense bien, ouais. C'était physique. Non, c'est humiliant. Humiliation. Oui. Alors, eh ben, qu'est-ce qu'on en a passé en vrai? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a été compliqué, c'était bien en place. C'est vrai? On a eu un doute au bout d'un moment, vers, je crois, à 6-1. On a vraiment commencé à se poser des questions. Hein, Toto, hein? À 6-1, on a commencé à douter. Ouais. Je crois qu'il pouvait revenir, vraiment. Ouais, 6-1, ouais. Après, Teddy a été bien positionné, Arnaud a fait des relances, vraiment, j'ai jamais vu ça en Turquie. Ouais. Ouais. Non, réellement, on a eu vraiment un doute. On est soulagé d'avoir pris vraiment ce set parce que c'était compliqué. Ouais, ça. Ouais, ouais. Et puis, je me doute que la synchronisation d'Arnaud t'a fait peur. Bah, écoute, il est incroyable. Ouais. Ce mec là, c'est Iron Man. Ses pieds sont un peu équilibrés et autres. Ses pieds sont équilibrés entre eux, ses mains entre elles. Mais pas ensemble, pas ensemble, ouais, effectivement. Il a un style, il a de l'humour, c'est déjà ça. C'est déjà ça, ouais, pas mal. Et encore de l'humour, je suis pas sûr. Ouais, il y a un truc. Ouais, il est là, ouais. Vas-y là, vas-y. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Wouh! Ouais. Tu veux mettre dans le casino? Vas-y. C'est un peu collé serré ce soir. Ouais, j'aime bien. Regarde-les là. T'en as pensé quoi un peu de ce sport? Oh, ça, ça va là. Là, ça va. Est-ce que je pense de Durkey Ball du coup? Oh putain, bâtard. Si, 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 si. Oh! Ça va de crier comme ça? Il avait mal. Je te rappelle tout à l'heure, t'as fait un arrêt à la main, de quoi tu nous parles? Moi? Ouais, je l'ai même en caméra. Voilà. Tout ça, je le fais avec un short de rugby. Let's go. Non, un short beaucoup trop petit. Un short beaucoup trop petit. Sans milieu de bain. Hop, hop, hop. La vidéo, elle te plaît? Et bah pense à t'abonner, allez, ça. Il est horrible. Rien à foutre, hein. Abonne-toi, abonne-toi, c'est tout. Moi. C'est donc, juste une petite présentation du Jerky Ball. Et du coup, c'est 8 chemins du tronchon à Champagne en Montour. À côté de Lyon. Juste à côté de Lyon. Juste à côté de Lyon. Et puis, bah, j'espère que vous avez kiffé. Dites-le nous en commentaire. Et dites, haha, t'es dit trop fort. Moi, je suis fatigué. Moi, j'ai faim. J'ai la dalle aussi, j'ai envie au curry. Moi, je suis juste dégoûté. J'ai pas joué. Et tu vas être en... Alors. Pour être honnête, si vous l'avez pas vu, hein, en vrai la première fois c'est un peu dégoûtant. Bah, enfin, c'est frustrant si vous jouez au foot beaucoup. Ouais, pour avoir joué au foot à mon avis, je vais être bien frustré. Hein. Moi je sais que la première fois j'étais bien frustré et la deuxième là c'était assez bien. Ouais, t'as bien kiffé. En vrai t'as pas trop mal joué hein. Non, bah j'ai couru un peu mais mon défenseur il m'aidait pas. Par contre, je pense que sur la vidéo vous l'avez vu, il est pas synchronisé les refs. En vrai, regarde, Matt la paire de gros, la paire de sympa. La paire de sympa. Bon, bon allez. Merci. Et puis donc il y a Attendems. Écrit. Et on y va la faire à chaque fois. Allez. Allez, salut les bisous. Des bisous.